Gérald Darmanin et Jean Castex qui présideront demain une cérémonie en hommage à Éric Masson. Ces arrestations ont immédiatement été saluées par les syndicats de police, mais aussi par Aurélie Laroussi, elle est présidente de l'association des femmes forces de l'ordre en colère. C'est un soulagement. Maintenant, on reste toujours prudente parce que voilà, il y a toujours une enquête en cours. C'est présumé, c'est suspect présumé. Donc pour le moment, on ne saute pas de joie non plus. Là, on attend une réponse, enfin, je dirais, une réponse pénale ferme et en conséquence de l'ignominie de l'acte, quoi. Ils ont enlevé un mari, ils ont enlevé un papa, ils ont enlevé un fils. Et on attend vraiment là que la justice se trompe pas ce coup-ci, quoi. Ça ne leur amènera pas, malheureusement, mais on est à l'heure actuelle pas du tout satisfait des réponses pénales en général.